si on est vraiment dans quelque chose de sérieux des Chinois, et je le crois, on devrait avoir une stabilisation de la valeur du renminbi intérêt capitalisé par rapport à l'or sur le long terme. Pero antes de empezar, quiero decirte que al final del video tengo un regalo para ti. Si te gustan mis videos, dale un like, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para enterarte de las últimas novedades y también si piensas que este contenido puede ser interesante para algún conocido, no dudes en compartirlo. Escríbeme en los comentarios qué temas quieres que trate o lo que piensas de mis videos. Hazlo, por favor, porque me ayuda mucho en promover este canal. ¡Ahora empezamos! Leader, c'est bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, j'ai une question. Alors après, il y a aussi l'effet variabilité dans le temps, donc c'est toujours difficile de se prononcer sur des échéances d'assez court terme. Mais l'or, typiquement, c'est censé être un actif antifragile et donc qui se porte bien quand les choses vont pas bien. Et en termes de les choses vont pas bien, sur le plan fondamental, on est pas mal. En termes de difficultés, on a quand même des gros pains dans l'économie réelle. Et puis en termes de liquidité aussi, qui est un truc normalement on dit quand on inonde l'argent de le monde d'argent, et bien l'or monte parce que lui il a toujours la même quantité. Donc quand il y a trois fois plus de dollars et toujours autant d'or, bah du coup le prix de l'or monte pour que ce soit toujours équilibré. Comment on peut expliquer aujourd'hui que l'or merdoie depuis le mois d'août à peu près? Donc qu'est-ce qui se passe? Enfin, il se passe un truc. Oui. Il se passe un truc. Alors c'est assez difficile. Alors il se passe un truc. Alors, il faut déjà le voir sur toute la période. C'est-à-dire que l'or a tendance à monter quand les banques centrales pratiquent des politiques de type keynésienne. Donc, on est dedans. On est dedans. C'est-à-dire qu'elle rémunère pas assez la monnaie. Biden a encore filé 2000 milliards. Voilà, 2000 milliards de plus. Trump l'a fait en mars et Biden le fait. Il remet une deuxième couche. Voilà. Donc, avec l'inflation qui repart et tous ces trucs-là. Donc, ça devrait se soutenir l'or. Or, effectivement, depuis août, il a perdu pas mal. Il a dû perdre, je sais plus combien, au moins, 10-15%, je pense. 15, peut-être un peu plus. 15%. OK. Mais, regardons le moment où cette politique keynésienne a démarré. Elle a démarré fin janvier 2019. Elle n'a pas démarré en août 2020. Donc entre fin janvier 2019 et aujourd'hui, l'or a quand même monté de entre 25 et 30%. Ouais, bien. Ouais. Oui, c'est cet ordre-là. Ouais. Alors effectivement, à un moment donné, il avait monté de 50 ou 55%, et puis il a rebaissé de 20%. Ah oui, au final, ça fait plus 30%. Et au total, ça fait plus 30%. Donc déjà... Ouais. Déjà, faut bien se dire que il n'y a pas contradiction avec le fait qu'on soit rentré dans des politiques de débasement des devises et le fait que l'or soit monté. C'est une correction dans ce cas-là, ce que tu me dis. En revanche, voilà. Donc, déjà, c'est un premier chose. Alors, si l'or perdait 50% maintenant, ce serait une surprise totale. Tu vois, ce serait vraiment un truc qui dirait, mais non, vous avez rien compris, c'est pas ça. Enfin, bon, c'était possible, on sait jamais, hein. Mais j'y crois pas. Mais, voilà. Donc, mais déjà, c'est pas contradictoire. Donc, par contre, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un mouvement très violent à la hausse, il y a une correction à la baisse. Alors, pourquoi y a-t-il cette correction à la baisse? Charles a certaines idées là-dessus, je pense qu'elles sont assez justes. C'est que, finalement, on passe à une situation un peu étonnante maintenant. Parce que, on a toutes les grandes monnaies du monde qui ont pratiqué le débasement. Mais pas la Chine. Et pas la Chine. Donc, on n'est pas dans un système mondial keynésien. On est dans un système quasi mondial keynésien. Mais pas les Chinois. Les Chinois ne l'ont pas fait. Donc, ça veut dire que les Chinois continuent à dire qu'ils vont arrimer, qu'ils vont maintenir la valeur de leur devise. Et quand vous regardez depuis 10 ans, la parité du renminbi avec l'or, avec le renminbi capitalisé, vous voyez que vous avez des oscillations qui sont très bonnes. Donc ce qui est possible, ça c'est une idée de Charles, c'est qu'il y ait finalement une volonté chinoise d'arrimer le renminbi à l'or. Parce que finalement, c'est toujours ce qui a été plus ou moins le cas avant. Dans les portefeuilles, vous deviez avoir de l'or avec... de l'or avec des dollars, de l'or avec des sterlins d'abord, et puis de l'or avec des dollars, et puis peut-être qu'aujourd'hui, il faut peut-être falloir avoir de l'or avec du renminbi. Ouais. Bon. C'est-à-dire les deux actifs antifragiles, même si le renminbi n'est pas encore antifragile, mais qui se compensent selon l'inflation, etc. Donc, il est possible que finalement, quand on regarde le range de variation de l'or par rapport au renminbi, il était trop cher en août dernier.
Mais là, par rapport à l'euro, le renminbi, je comprendrais, mais par rapport à l'euro et au dollar. Aujourd'hui, il est revenu au milieu de sa parité. Donc, si on considère qu'aujourd'hui, la seule banque centrale qui soit vraiment sérieuse avec la valeur de sa monnaie, c'est la banque chinoise, et qu'on regarde la variation de l'or par rapport à ça, qui devrait être, tu vois, stable, alors l'or est bien pricé aujourd'hui. Il est pile au milieu. Il est à son prix. Il est à son prix. Et effectivement. Ah oui, et s'il est bien pricé en renminbi, comme tout s'équilibre, ça veut dire qu'en fait, il était peut-être un peu trop cher. Il était peut-être un peu cher. Il était dans cette bande, il était trop cher. Il a trop monté. Voilà. Il a trop monté et il a corrigé. Donc en fait, si on dit le renminbi, la parité or renminbi, c'est le repère, les talons. C'est ce que pense Charles, mais je pense qu'il a raison. Ça permet de dire s'il est cher ou pas cher par rapport au reste. C'est une nouvelle façon de penser qui est fondée d'abord sur le fait que la Chine est en train de progresser. Ouais, je vais le faire revenir. Il ne faut pas qu'il fasse revenir. Absolument, il faut qu'il fasse revenir parce que c'est remarquable cette histoire-là. Ouais, c'est pas bête. C'est très très intéressant. Et puis l'autre chose étant que c'est la seule banque centrale qui a été sérieuse avec sa monnaie. Ouais. Et donc, de facto, elle est sérieuse avec sa monnaie, et donc avec la monnaie ancestrale qui est là. Donc, c'est un bon étalon. Donc, c'est un étalon. Hemos recibido muchas preguntas sobre el precio del oro, y por eso decidimos hablar de ello con Didier Darcet. La buena noticia es que Charles Yave tuvo una gran intuición sobre este tema. Lo que Didier Darcet explicó en un artículo en Yavkel Research es que es posible que China controle el precio del oro para acompañar la subida de su propia moneda. Sea cierto o no, al final no cambia nada para nosotros, que seamos europeos o americanos, porque el euro y el dólar nunca se imprimieron tanto. En este gráfico, Louis-Vincent Yave nos muestra que la oferta monetaria en los Estados Unidos ha literalmente explotado en relación con la oferta monetaria china. En Europa ocurre más o menos lo mismo. Así que, básicamente, el oro está subiendo para nosotros. Después, que China esté procediendo a manipulaciones para gestionar la subida del oro es plausible sin que cambie la dinámica fundamental del oro, sino por el contrario. En la carta de inversión que escribimos con la participación de Charles Yave, ya hemos explicado que el precio del oro estaba orientado estructuralmente hacia arriba en periodos de desbalanceamiento monetario, teniendo en cuenta el precio del oro en comparación con el rendimiento de una cesta de las principales divisas internacionales. Hoy estamos claramente en un periodo de desbalanceamiento monetario tras a la crisis de las medidas anti-COVID, y esto no va a cambiar de pronto en Occidente. En el futuro vais a poder encontrar estos indicadores en Nestor, nuestra plataforma digital de asesoramiento financiero independiente, ya que acabamos de completar las herramientas para evaluar los mercados de valores. Por lo tanto, estamos iniciando un ciclo de desarrollo de la gestión del efectivo dentro de una cartera financiera. Donc ça veut dire que en imprimant des dollars, ce qui se passe, c'est que ça fait baisser le taux de change avec le renminbi. Donc le renminbi monte. Et comme le renminbi monte, on voit l'or monter dans les mêmes proportions pour rester dans le canal. Et c'est ça qui nous fait le thermomètre, qui nous ferait le thermomètre. Alors l'or peut monter beaucoup plus, c'est beaucoup plus volatile. Tu vois, donc il était monté de 50%, puis là il a rebaissé aussi de 20%. Mais ce qui est important de voir, c'est l'oscillation. Et parce que si on est vraiment dans quelque chose de sérieux des Chinois, et je le crois, on devrait avoir une stabilisation de la valeur du renminbi intérêt capitalisé par rapport à l'or sur le long terme. Et alors que nous, l'or va exploser en dollars et en euros. Pour nous, c'est probablement foutu. À moins qu'on change de politique, mais ça serait très difficile. Et c'est pas ce qui était annoncé, là. Dans les derniers journaux de 20 heures. C'est pas ce qui était annoncé dans les journaux de 20 heures. Ils sont plutôt à dire, les vannes, ça y est, on a trouvé la clé de la cave. Ouais, c'est ça. Donc, perso, j'en ai profité pour en racheter. Mais et c'est marrant parce qu'on voit bien cette tension sur les pièces de terrain. Les gens ont pas confiance, quoi. C'est clairement quand vous avez une prime sur le Napoléon 20 francs qui est à 25%, je crois. Donc les pièces, pour ceux qui connaissent pas, c'est pour chaque pays et chaque campagne. J'ai envie de dire, il a sa pièce. Mon paysan, il connaît le Napoléon parce qu'il a la tête à Marianne dessus, ou la tête à je sais plus qui. C'est franchouille. Aux États-Unis, c'est Lidl.
gueule. Voilà. Donc ça permet de voir aussi un peu les tensions locales. Ah, intéressant, ouais. Et ben c'est chacun à sa pièce. Le panda, c'est en Chine, mais le panda il coûte cher parce qu'il se les arrache tout le temps les pandas. Mais bon. Ah, oui. Ouais, bah ils en sont friands. Donc et puis c'est compliqué d'en avoir en Europe. Donc voilà. Et moi quand je vois le Napoléon 10 francs qui est la pièce préférée des paysans, j'ai envie de dire au sens amélioratif dans le bon sens, parce que c'est la plus petite pièce d'or, donc ça permet de se passer plus facilement. Bah on est à 30% de prime. Ouais. Donc ça veut dire que les gens ils sont prêts à lâcher 30% du prix en plus pour avoir la pièce que tout le monde connaît. Ouais. Donc les gens ils croient pas à la baisse de l'or aujourd'hui. Je veux dire c'est non, ils croient pas. Voilà. Au niveau personnel non. Sur le terrain le les gars ils y croient pas quoi. Ouais. Donc je me dis bien c'est peut-être pas cher finalement. C'est ouais. peut-être pas. Ouais. Mais voilà et puis les fonderies suisses tournent à plein pour fondre du de l'or et les envoyer en Chine. Donc non, je pense que c'est une correction. Je pense que c'est une correction. Et puis avec cette espèce de phénomène qui est en train de se passer, c'est que c'est l'émergence d'une nouvelle devise qui va devenir au cours du temps très très importante, qui est le renminbi. Et donc il va y avoir des phénomènes monétaires liés aussi aux grands ancrages monétaires que sont les obligations longues américaines et l'or, forcément. Merci Didier. Merci à toi. Bueno, espero que te haya gustado este video. Por favor, dale un like y no olvides compartirlo. También escríbeme en los comentarios qué temas quieres que trate en el futuro. Hazlo, es muy importante para sostener mi trabajo. Gracias por tu apoyo. Puedes descargar la hoja de cálculo que utilizo en mi primera etapa de selección de empresas infravaloradas. Es un archivo de Google Spreadsheet que recupera automáticamente la información principal que utilizo cuando empiezo a analizar empresas en las que invertir. Si estás pensando en invertir a largo plazo en el mercado de valores, aquí tienes la herramienta más sencilla y más rápida para decidir si una empresa es buena o no. El macrocapitalista te dice chao. Si estás pensando en invertir a largo plazo en el mercado de valores, puedes descargar la lista de las 8 acciones que nos